Opération clôture de la mare au pôle universitaire, des piquets de châtaigniers à enfoncer, pour un petit plan d'eau qu'il faut sécuriser. À côté, ces étudiants écorcent les perches qui iront ensuite ceinturer la mare sur une hauteur de 90 cm. Le campus de La Roche-sur-Yon ne cesse de se transformer. Sur ses 5 hectares d'espace vert, 1 hectare est désormais cultivé. Il ne manquait que la mare. Cette mare, c'est en fait le dernier élément qui va nous manquer, nous, ici sur le campus vert. Et en fait, la mare, comme on peut le voir, elle permet de relier en fait, le potager à la microforêt, en permettant de faire un corridor donc écologique. Et puis, il y a aussi l'histoire de la trame verte et bleue. Et nous, le seul élément qui nous manquait, c'est donc l'élément bleu, donc qui est la mare. La mare, un corridor écologique ici, entre le potager et la microforêt. Une microforêt très dense, plantée il y a tout juste un an, selon la méthode Miyawaki. Un petit espace de 300 mètres carrés, boisé de chênes, de frênes, de sureaux, d'aubépines, d'alisiers, quasiment pas arrosé l'été dernier, malgré la chaleur et la sécheresse. On pensait avoir plus de pertes cet été, et on se retrouve quand même avec pas mal d'arbres. Et au fur et à mesure qu'elle va grandir et prendre de l'ampleur, les insectes vont venir, les oiseaux aussi, et ça va apporter des graines, apporter des nouvelles essences d'arbres, et elle va se renouveler toute seule finalement, elle va repousser par elle-même. La sélection naturelle fait son travail. Le campus vert de la Courtaisière a démarré il y a 5 ans. Il s'est beaucoup accéléré depuis 2 ans grâce à ses étudiants du département génie biologique. Le verger qui a à peu près 4 ans va commencer à produire. On a derrière un verger de noyer qui n'a que 2 ans, mais qui a quand même à terme produire quand même beaucoup de noix. Et oui, sur la partie potager, on récolte déjà pas mal de légumes. L'année précédente, on a fait une distribution de courges. Quand même, beaucoup de gens ont pu en profiter. Dans la serre, on a de la salade. Actuellement, les gens peuvent se servir en libre-service. Presque tout le temps, il y a quelque chose à récolter. Des étudiants qui récoltent le fruit de leur travail, le campus vert de l'Université de Nantes à La Roche-sur-Yon continue de s'étendre avec au programme des ruches et de l'éco-pâturage pour ces prochaines années.